Yo tout le monde, c'est Nameki, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va démarrer sur une nouvelle série. Donc, comme vous l'avez vu, un let's play sur Minecraft. Alors, dans ce let's play, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement un let's play. Donc, je vais jouer, enfin, je vais créer des systèmes, le système redstone, par exemple, faire un petit peu de PVE, enfin, tous les trucs comme ça. Et le but, il n'y aura pas vraiment de but dans ce let's play, ce sera de créer la plus belle maison, enfin une maison entièrement automatisée, enfin des trucs cool quoi en perspective, donc je pense que ça promet d'être assez pas mal. Sur Minecraft, j'avais aussi pensé à faire autre chose, donc pas une série, mais ça, une série très courte qui aurait consisté en à tuer le Ender Dragon le plus vite possible avec en étant hardcore, donc bon, je verrai ça pour une prochaine fois. Donc voilà, survival, bon, je mets ça parce que ça évite de créer un random map, peut-être on aura un petit peu de chance. Le bonus chest, c'est bon, je le mets parce que bon, ça reste un petit peu plus facile pour la suite des événements. Bon, alors c'est parti. Quel monde on aura? Loading world. Building terrain. Allez, allez. Fais-moi ce world. Please. Yeah. Ok. Hop là, petit lag du début de partie, ça va. Ok. Hop, le coffre est là. Hop. Des graines, c'est cool. Bon, je pense que. Ouf. Petit coup de lag là. Le premier truc automatisé que je ferai, ce sera sûrement une ferme. Hein. Ensuite j'aurai certainement quelques sessions de minage, mais que je ferai. Bon, je ferai ça hors caméra parce que c'est pas très intéressant pour vous de voir ça. Donc là on va faire quoi? On va déjà trouver du bois, tout ça. J'ai changé vite fait dans mes options graphiques. Peaceful, oh là là. Ça va mettre ça en normal. Video settings, max FPS, tiny, format, normal. J'ai quelques petits coups de lag quand je vais en distance d'affichage un peu trop lointaine. Voilà, 20 FPS, c'est pas énorme, mais ça suffira. Donc voilà, j'ai enlevé mes packs de textures parce que j'avais envie de rejouer un petit peu dans un truc un peu plus normal. Puis, je trouve. Ensuite, ce serait un petit peu plus sympa. Donc là, des vaches, du bois, des citrouilles. Donc voilà. Ça, je pense que ça va être bien. Un petit skin. Bon, on m'a dit que c'était Ronflex. Bon, bah, ce sera Ronflex, hein, écoutez. Si c'est vous qui le dites. C'est vous qui avez raison. Bon, allez, on va tuer des vaches. Hop. Allez, meurs, meurs. Voilà, un petit peu de viande. Dommage, il me donne pas de cuir. Bon, voilà. Déjà ça. J'espère tomber sur une faille assez rapidement, histoire de dominer la plus de minerais possible, le plus vite possible. Notamment du fer, histoire de me faire au moins une armure full. Ça serait sympa. Voilà, c'est le début du serveur, c'est pas très très intéressant, c'est ressources principales à mort. Je crois que j'ai fait tomber un truc là-bas, non c'est pas là. Je ne sais plus où est-ce que je les ai tombés, là. Ah bah voilà, du fer déjà. Je pense qu'ici il doit y avoir une petite mine, ouais. Bon bah il y a déjà une mine, c'est déjà ça. Hop. 9 cuir, ouais, ça peut être à peu près intéressant là. 9 cuir déjà, hop, ah, c'était pas là, je croyais que c'était là. Ah non, c'est là-bas. J'aime pas avoir de l'eau comme ça dans les mines, je trouve ça assez chiant, on va dire. Hop, voilà, donc je coupe un peu l'eau. Bon,
Je vais passer et dès que j'ai construit un petit bout de base, très vite fait, j'ai récolté quelques... Ah, tiens, cool. Le marais. Bref, dès que j'ai récolté tout ça, je reviens vers vous. Bon, alors, je vous reprends. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai trouvé une faille. Alors, ça fait quelques minutes que j'ai rentré, que j'ai arrêté l'enregistrement, j'ai écouté juste un petit peu de bois, rien de plus. Et puis en marchant comme ça, j'ai trouvé donc cette magnifique faille qui m'a l'air plutôt pas mal au niveau des ressources présentes. J'ai des bugs d'affichage là, chargement de chunk qui est pas super super. Non. Voilà, bon. Ouais, c'est un réflexe. Bref. C'est pas grave, ça sert absolument à rien. Voilà. Donc, je suis content. Je vais construire sûrement ma première petite base ici. Parce que bon, c'est. Oh bah! Attendez, vous y croyez, vous? Vous y croyez? Un village? Je tombe sur une faille que je cherche depuis 3 minutes et 30 secondes après, qu'est-ce que je trouve? Un village. Mais c'est Noël, les gens, là. C'est Noël. C'est juste magnifique. Ah là là. Ouais, ah ouais, ok, ouais. Avec, ah non, j'ai cru que c'était une maison, mais non, c'est juste de la terre. Je me suis dit, pourquoi ils mettent un champ sous une maison? Je comprends pas trop les gens, c'est pas grave, faut bien expliquer. Ah, mais c'est juste génial ça! C'est juste incroyable! Une maison. Cool. Ah, ça, je. Ouais, ça va me plaire. Voilà. Alors, les villageois. Du flint, ouais. Bref. Flint, je m'en fous un peu, on va dire. Ouais, le mec, oui. C'est Snoopy en fait, le mec aime bien être sur son toit. Hop là. Les émeraudes, en fait, ça sert un peu à rien, on va dire. Bon. Bah, c'est très bien ça, j'espère que c'est un village, un grand village avec un comme ça, un forgeron. Peut-être des coffres à choper, pour... mais je ne pense pas. Généralement, les villages comme ça en prairie, c'est plus des villages. Il y a, comment dire, où il y a des chevaux, donc on verra ça. Non, pose des trucs intéressants, mais pas trop l'air. Tiens, je continue par là. Ouais, ok, j'avais compris à quoi servaient ces petites cases, mais c'est pas trop grave. Elle était devant une ville ensemble. Alors. Pas très grand ce village, on va dire. Non, mais pas très grand, mais bon, moi j'ai une ressource de bouffe presque illimitée. Donc c'est cool, ça, c'est plutôt bien. Alors, je vais regarder vite fait. Entité 130, 20 visibles, ouais. Ouais, y a moyen de faire quelques trucs avec ce village là. Ouais. Ouais, ça me paraît bien. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Bah, c'est cool tout ça. La nuit va tomber. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans une maison. Et puis, j'ai commencé à m'installer tranquillement et voilà, je vais prendre celle-là, ce sera plus grande. Ok. Ouais, si tu veux. Un creeper dans ma maison. Ah, dans ma maison. La maison que je souhaiterais habiter. Donc il faut que j'éclaire tout ça. Voilà, je te libère. Je suis tellement bon et admirable. Je récupère quelques torches. Merci. Ah bah j'en avais déjà en fait. Enfin,
Allez, viens là, Creeper. Creeper. Devant la tête, hop, viens, non. Non! Non! Bon. C'est pas grave, je vais réparer tout ça et on se retrouve. Oula, peut-être quelques petits bugs. What? On se retrouve quand c'est fait, en gros, quand la nuit sera passée. Allez, à tout à l'heure. Bon! Alors, faut que je cherche un petit truc là-dedans. Non, c'est bon, tout va bien. Voilà. Donc, bon. Je reviens d'une petite séance de minage à l'extérieur. J'ai découvert un petit coin là-bas où il y avait des minerais un petit peu à l'extérieur. J'ai récolté pas mal de fer. Il y en a là, il y en a là. Donc, de quoi me faire une full un full stuff fer. Donc, je rappelle, un full stuff c'est 26. Il me semble 3 3 6 7 7 plus 8, ouais ça fait ça, ouais si c'est bon à peu près ça, et c'est tout. Du charbon j'en ai là, j'en ai là dedans et j'en ai dans là bas dans le dans le fourneau qui est là bas on va y retourner parce que en creusant, bah, il se trouve que il y a un petit réseau de galeries assez important là, donc il y a beaucoup à explorer. Ouais, j'ai de la bouffe, ça j'en ai pas de problème. Moi je prends une épée au cas où et ma pioche. Non. Briquet. Voilà. Bon, alors c'est parti. Non, j'ai pas dit que j'allais prendre ma pioche. J'avais pas une pioche. Ah si, pardon. Oula, je perds un petit peu la tête, moi. Donc là, par en haut, ça rejoint de l'autre côté. Donc c'est là en bas. Hop. Voilà. On arrive ici. Hop, un Enderman. Je peux le regarder. Je vais essayer de le manger. Je vais essayer de le tuer, pardon. Voilà. Et ainsi. The fuck. Bah pourquoi il se téléporte? C'est nul. C'est pas drôle. Oh non. Ah c'est pas cool ça. C'est pas très gentil pour moi. Mais si tu donnais du mal à te regarder. Et il n'y a même pas d'amis. Bon. Ok, c'est pas grave, tu m'aimes pas. Bah tant pis, je vais bouler. Faire quelques torches, 3, 4, 5, voilà. Hop, ça suffira pour aller explorer vite fait. Alors, on va partir par là. Parce que ça ressemble à une faille. Non, c'est peut-être... ça rejoint peut-être la faille qu'on avait eue. Un petit peu plus un peu plus avant. Ah non, oh bah pas du tout en fait, c'est juste une petite mine. Bon alors ça peut du fer, tant mieux. Hop, voilà. Essayer de prendre le plus de minerais possible parce que bon, il va en avoir besoin. Allez, viens, c'est Creeper. Hop, voilà. Oh, je m'en fous s'il explose, hein, parce que bon. Hop, ça continue au-dessus. Bon, on va dégager tout ça. Je vais continuer à explorer et puis bon. On verra bien sur quoi on tombe. Allez, à dessus.
Blablabla. À plus. Bon, et eh bien, quand on mine 2 minutes, on tombe bien sûr forcément sur un spawner à zombies. Oh, c'est vraiment la première chose qu'on trouve. Un peu bizarre, je trouve, le comportement des zombies là. Ils ne viennent pas vers moi. Je trouve ça un petit peu bizarre, je me demande pourquoi. Même un mini zombie. Je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Bon, j'ai bien éclairé le spawner. Mais bon, je suis quand même assez content de l'avoir trouvé parce que ça va me permettre de faire une usine, une première usine à zombies. C'est plutôt une bonne nouvelle en perspective. Ça, c'est vraiment chiant les mini-zombies. Bon, lui. Ah, bien sûr, hein, puis on forcément, on tombe sur un full stuff en or. Bah, toujours, toujours, c'est la base. Excusez-moi, si vous avez pas ça, vous êtes nul. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les coffres? Ouh, des étiquettes. Une selle, ça, c'est très bien. Voilà. Et ici, 2. Respiration 3. Ah oui, il voit comme ça, oui. Oui, puis, surtout quand vous êtes... en pleine surface, on va dire, je suis en Y59, donc et pas me dire, je suis à 2 pas de la surface, regardez. Vous avez vu où je suis, ça c'est la mine où je suis depuis tout à l'heure, je n'ai toujours pas bougé. Je vais juste là dans les différentes routes proposées. Et c'est tout, alors, enfin je sais pas, c'est juste magnifique. Donc voilà, je suis très content. Bon, ça je m'en occuperai un petit peu plus tard, je vais juste prendre les coffres, hop, ça va me servir. Et voilà, bon bah, c'est une très bonne nouvelle. Je me disais bien que j'entendais un petit peu des bruits de zombies, et bah, je sais d'où ça vient maintenant. Bref, il y a encore pas mal de trucs à explorer, donc je continue, je prends les minerais, et voilà. Allez, à plus. Donc je relance le record, là je viens juste de sortir toute la mine pour déposer tout ce que j'ai gagné dans les coffres dans mon coffre. Comportement bizarre du villageois, il fait nuit et il est dehors. Donc je ne sais pas comment ça se fait. C'est plutôt bizarre. Je ne sais pas du tout comment ça se fait. Ah, il va peut-être y aller là. Peut-être si je le pousse, peut-être si je le... Ah d'accord, ouais, en fait non. Je le tape une fois, il meurt. Normal. Enfin bref, voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Allez. Je crois qu'il n'est pas tout seul, tous ses petits copains sont dehors. Ah bah. Ah bah non. Ok. Tiens, une horde de zombies. Full stuffé or, mais je sais pas ce qu'ils ont avec l'or en ce moment. Bref, bon voilà, ça me semble un peu bizarre, mais c'est un peu rentré dans l'or. Donc moi je vais rentrer aussi. Pouf. Et puis voilà, je vais dormir. Et je retourne miner. Voilà. Bon, je suis allé miner. Je suis allé explorer un petit peu dans les mines là-bas. J'ai regardé aussi vite fait la faille là-bas. Et bon, la faille est pas très intéressante. Il n'y a pas grand chose. Au niveau de là-bas. C'est un dédale de mine juste énorme. Tout simplement, vu que j'aime pas trop les mines, tout ce qui est comme ça déjà un peu creusé. J'aime pas trop, donc j'ai fait ma petite mine dans ma maison. Et je vais descendre au niveau du jams, je vais aller miner un peu tout ça. Je suis mort 2 fois à cause de... 3 Endermen au niveau de la faille, je suis tombé. Je suis tombé parce que j'ai fait l'erreur à ne jamais faire quand on mine, c'est-à-dire miner sous ses pieds. Malheureusement, j'ai fait cette erreur, je suis tombé et là je suis tombé au cœur de 3 Endermen que j'ai malheureusement regardé en tombant. Donc ça m'a permis de mourir. Et la deuxième fois, je suis allé rechercher mes objets et j'ai fait la même erreur. Donc, je pense que là, je crois que j'ai compris la leçon. Et
J'espère que je referai pas trois fois la même erreur, parce que sinon ça serait un peu, comment dire, forcé. Donc bon. Sinon au niveau du fer, j'ai déjà un stack de fer ici. J'ai une armure full, j'ai plus de bottes, bon, je vais en refaire vite fait là. Mais sinon ouais je suis en full. Je n'ai encore cuit, donc je vais aller chercher tout ça. Ça va permettre de voir aussi avec vous. Alors, c'est par où, c'est par là. J'ai le nombre de creepers qui a spawné dans le village est juste énorme quoi. Bien sûr, il fallait qu'il y en ait qui explosent, j'ai un peu à moitié détruit le village. Mais bon. C'est pas grave. Il n'y a plus de villageois aussi, je crois. Enfin, c'est pas grave, il servait à rien. Bah voilà, un stack en plus. Voilà, c'est un dédale de mine, mais juste énorme. J'ai même pas tout exploré. Parce que bon, c'est trop grand. Il n'y a pas de. C'est pas possible quoi. J'ai exploré par là, j'ai exploré par là. Ça continue dans 3000 autres mines. J'ai exploré par là, j'ai trouvé un spawner. Par là, il n'y a rien. Par là, j'ai exploré, je suis tombé sur d'autres mines. Par là, j'ai exploré. Par là, j'ai réexploré aussi. Par là, j'ai exploré, j'ai tout exploré. Bien sûr, faut qu'il y ait d'autres mines qui se créent. Par là, j'ai exploré, ça rejoint en bas. C'est juste énorme, il y en a juste partout des mines. C'est un détail sans fin quoi, les mines, c'est. Par là, j'ai même pas exploré, j'ai même pas la force d'y aller, parce que je suis sûr que ça va être encore trop grand. Regardez la balle des dalles, ça continue par là, ça descend encore, j'en suis sûr. Là-bas, ça remonte, ça ressort. Ah là là, c'est sans fin, je voyais même pas le bout à chaque fois que j'allais, bien. What the fuck? What the fuck is this? Il doit y avoir un spawner à squelette, c'est pas possible. Est-ce que toi? Je ne t'aime pas, tu n'es pas mon ami. Meurs, meurs. Voilà, cool, j'ai récupéré les bottes. Oui. Bref. Par là, il y a quoi? Par là, attends, c'est quoi par là? C'est hop, hop, ça monte. Oui, je suis monté. Oui, par là, par là. Par là. Ça s'arrête jamais. C'est juste incroyable. Là, je vous montre vite fait un peu ce que ça donne, mais enfin, c'est. Je priais pour que ça s'arrête tellement c'était horrible. Même pas cool le faire. Je suis passé à côté de l'or, enfin j'ai même pas pris tout ça, parce que bon. C'était pas trop la peine pour l'instant. Je vais faire une petite mine au petit et ça ira beaucoup mieux. Parce que je m'y retrouverai au moins. Parce que là-dedans, moi je me perds. Hein, j'ai un sens de la Minecraft, j'ai un sens de l'orientation qui est juste horrible. Très mauvais. Des fois je me repère grâce à ma cobble, sauf que quand il y a ça, je sais plus du tout. Donc voilà. Donc là je vais miner, je trouve du diamant, je me fais une table d'enchant, je me construis ça afin de pouvoir faire mon usine à zombies, donc une petite première usine à XP. Ça va pas donner grand chose d'XP parce que ça reste des zombies, mais je vais faire ça, après j'irai sûrement dans le Nether, faire quelques popos. Ensuite, j'ai prévu. Après j'ai prévu de faire ma maison, faire ça un peu tout automatisé, avec des portes automatisées, un light sensor pour la lumière dans la maison. Qu'est-ce que j'ai prévu? Dans le Nether, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu de faire une ferme Enderman. Le dragon, l'homme d'or dragon, ce sera pas pour tout de suite. Ensuite j'ai prévu de faire quelques de ma maison, m'amuser un peu avec de la TNT, rechercher d'autres villages, faire des donjons dans le désert, des temples, tout ça, les différents biomes et tout ça. Donc un programme assez bien rempli. Et là, ma petite maison assez spacieuse quand même. Donc ça va partir là-dedans, ma mine optique. Et bon bah ça continuera. C'est loin, j'espère, 1, 2, 3, 4, voilà, ça passe là. Hop. Voilà. Donc, je fais ça, je descends, et dès que ça s'est construit, on se retrouve. Je vais sûrement, comment dire, commencer à faire aussi une petite ferme vite fait. Une ferme à quoi là ce sera sûrement à patate
à blé, même si le blé ça va pas servir beaucoup, et à carottes, tout ce bordel là, et voilà. Là, je suis sûr que je vais réussir à retomber sur une mine qui vient de là-bas. J'en suis pratiquement sûr. Ou alors je suis tombé sur un dédale de mine qui me vient tout droit de la faille. Ce qui est possible aussi. Donc là, je vais y aller. Je vais descendre jusqu'au niveau 10-1, donc au niveau du diams. Et j'ai fait une petite séance de minage qui va pas durer très longtemps, même une demi-heure, juste de quoi récolter un petit peu de diams, faire un petit peu d'obsidienne, puis faire un petit top d'enchant pour directement enchaîner sur l'usine à zombies. Donc je vais construire une usine à zombies opti avec. Ça va marcher avec un grinder, tout ça, voilà. Un truc qui marchera bien, un minimum automatisé et tout ça. Donc voilà, je vous dis rendez-vous au deuxième épisode qui sera sûrement Babusina Mob. Hein? Allez, salut tout le monde!